Salut les amis et bienvenue sur ce 20e épisode de Tipeee and Friends. Pour marquer le 20e épisode du podcast, j'ai décidé d'inviter mon superbe ami Jérôme Théodore, le fondateur, président, maître à penser de Musico.ai. Donc Musico.ai, un média atypique qui porte plusieurs casquettes et sur lequel on va pouvoir revenir un peu plus au niveau de cet épisode et aussi revenir sur l'historique du parcours de Jérôme, ses premiers émois musicaux. Donc voilà, un épisode spécial parce que c'est plus qu'un ami que j'invite. Et aussi, c'est l'occasion de faire un peu plus de lumière sur notre association. Bon, vous verrez, il y a beaucoup d'impro et de problèmes techniques, mais on s'est bien marré et puis c'est l'essentiel au final. J'espère que l'épisode va vous plaire. On arrive bientôt sur la période des vacances. Donc, comme tout le monde, je vais prendre quelques jours. Donc, il y aura interruption du podcast pendant cette période-là. Normalement, il devrait y avoir quand même un 21e épisode. Donc, restez bien connectés. Comme d'habitude, vous partagez, vous likez. Si vous voulez participer à la cagnotte, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse en compagnie de Jérôme. Et puis, n'hésitez pas à surveiller ce qui va se passer sur la page, parce que vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont se passer. J'espère que l'épisode va vous plaire. Salut. Salut Jérôme. Salut Rach. Bienvenue. Ça me fait plaisir de te recevoir pour ce 20e épisode. On y est arrivé enfin, au 20e. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Et aussi, parce que j'aime bien le fait de te mettre un peu en difficulté, je sais que tu n'aimes pas trop parler de toi, tu es un peu l'homme de l'ombre, le gars qui organise tout au millimètre, mais qu'on ne voit pas trop, qu'on ne reconnaît pas forcément. Donc, pour moi, c'est l'occasion d'en parler. Que tu te présentes déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et après on reviendra sur ton parcours, tes débuts de fan de musique, tout ça. Merci à toi. Donc c'est vrai que pour moi c'est pas un exercice facile du tout. C'est plus simple d'être dans le sens inverse. De base je préfère poser soit moi qui pose des questions. Donc là c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je suis Jérôme, je suis un petit bonhomme tranquillou qui adore tout ce qui est musique, la vie, et qui par-dessus tout passer des bons moments avec des bonnes personnes. Quoi dire de moi, c'est pas facile de parler de soi. Je sais pas vraiment quoi dire de moi à part que je suis content d'être là pour le coup et ouais, je suis très très ému au final. C'est une sensation que je connais pas de base, que je connais pas. Voilà. Bah déjà, sois bien à l'aise. Ici, c'est à la bonne franquette. Et puis, encore une fois, si je t'ai invité, c'est parce que je pense que tu as beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire découvrir, connaître un peu ton parcours, parce qu'en fin de compte, on te connaît par le biais de Musico.ai, mais en fait, ce que je vais te proposer, c'est si tu peux me parler de tes premiers goûts musicaux, tes premières découvertes, et ce qui t'a amené à aller vers l'underground, vers le côté fanzine, le fanzina, les webzines peut-être, par la suite, enfin, dans l'ordre que tu veux, mais j'aimerais que tu me parles un peu de tout ce cheminement qui t'a mené à créer Musico.ai par la suite. Ok. Ben, comme pour beaucoup d'entre nous, cette musique nous a piqué pendant la période collège. Hein. C'est pour un grand nombre, c'est surtout là, entre la sixième et la troisième, que beaucoup de goûts musicaux se sont libérés. Et c'est pour moi en tout cas sur cette cinquième que j'avais faite sur Herblay, où j'ai rencontré mon tout premier pote du milieu, Guillaume, alias Guitoun, qui lui était déjà axé sur le début du black, quoi, avec entre autres des groupes qui commençaient à avoir un petit peu pignon sur rue à l'époque au niveau de la zone parisienne. C'était Antaïus par exemple, Merimek, Despond. On avait aussi Urshapless Gothic qui était un peu plus loin
au niveau des régions, mais qui commençait à faire son petit bout de chemin. Forest of Soul aussi, qui m'avait beaucoup ému à l'époque. Donc, ça a été les premières découvertes avec ce copain, où on commençait à effeuiller tous les magazines par VPC, Dolly Records, Dolly Posser, bon, toute cette époque, quoi. La belle époque. La belle époque où on commandait en commun pour avoir des CD cadeaux, des stickers. Bon, bref, tout était bon pour essayer d'avoir un petit truc en plus, quoi. Mais ouais, c'est vraiment les années collège qui, pour moi, ont été propices à la découverte de cet univers. Donc, très, très groupe français, très groupe parisien, dans un premier temps, très underground, en vrai. Pour après découvrir d'autres groupes que je connaissais de loin mais sans plus, comme Metallica, où je me suis retrouvé un petit peu avant de partir en vacances avec les parents à acheter une cassette à Continent qui était en promo dans un grand bac. C'était l'album Kill 'Em All, donc gros coup dans ta gueule avec le Walkman Sony que beaucoup ont connu avec les oreillettes orange. Donc c'est ça a commencé là, en vrai, ça a commencé là, mais assez rapidement dans l'underground, avec l'arrivée de Metallian, où au début il était les premiers numéros étaient en anglais et distribués, on les avait trouvés et en noir et blanc, si et en noir et blanc, ouais, on les avait trouvés dans une Fnac, et je me souviens, on avait avec le Guitoun, on avait récupéré une dizaine d'exemplaires pour les ramener sur Arblay et les redistribuer aux autres copains, car tous les vendredis soirs, c'était le Graal, c'était se retrouver tous ensemble de 20h à pas d'heure pour parler des découvertes, échanger les cassettes. Voilà un peu le vrai départ, il était là. Il D'accord. Était là, ouais, voilà. Et donc là, c'est les découvertes de l'underground, c'est les VPC, c'est... Ouais. Beaucoup de sampleurs. Exact. Je sais que t'es très attaché aux sampleurs. Ça doit venir de ce contact que tu as eu avec ce format physique. Tout à fait. Et d'accord. Et donc à partir de là, c'est quand tu as le déclic pour te dire, je veux pas être juste spectateur. Je veux devenir acteur de la scène. Comment ça se passe? Eh ben, ça remonte aussi un petit peu. C'était plutôt le début des années lycée. Alors c'est un peu particulier. Moi, je me réfère à des, pas forcément à des dates, mais à des moments, des moments qui sont liés à la scolarité, en vrai. D'accord. Et c'est vrai que début lycée, j'ai eu l'occasion de rencontrer JB, qui est un des premiers batteurs de Despond, avec qui on avait beaucoup parlé, avec tous les autres copains. On s'était croisés, d'ailleurs, avec Ludo de Dystopia. On avait tous environ 16-18 balais, on s'était tous retrouvés sans le savoir dans une ville au bord de mer. Bref, ça c'est encore une autre histoire, mais c'était exceptionnel. Et c'est vrai qu'en discutant, on se donnait donc des démos, on échangeait, et puis forcément ça arrivait sur le côté compile, etc. Puis un jour, je me suis dit, mais merde. Même si de base je sais pas forcément écrire, je sais pas forcément faire grand chose dans le côté journalistique, puis c'est pas le but d'être un professionnel. Je me suis dit, mais putain, j'ai des questions à poser. Allez, soyons culottés. Et puis j'avais créé un petit fanzine qui s'appelait Démo Maniaque. Donc démo, pour la démo, proche, le côté parisien m'intéressait parce qu'il y avait un tel vivier que j'avais vraiment envie de savoir un peu le pourquoi du comment. Et il est vrai que à part les gros magazines qui parlaient des gros mastodons, c'était la seule solution pour apporter des réponses. Voilà. D'accord. Donc j'avais envoyé à l'époque c'était les lettres, hein, ça partait par courrier, hein, c'était assez sympa d'ailleurs. Et puis ça revenait par courrier avec les pressbooks, les photos, les vraies photos. C'était à l'argentique. À l'argentique, c'était vraiment un monde qui était fabuleux. J'ai d'ailleurs tout gardé. J'aime bien le feuilleter, même s'il y a plein de fautes dedans. Ce seul et unique numéro de Démomaniac, parce qu'il n'y en a eu qu'un, parce que c'est
c'était comme ça, c'était voulu comme ça, et mais c'est un de mes meilleurs souvenirs. Où il y a eu des groupes comme Anteus, Deftones, Mac, on avait aussi tout plein de groupes comme Urshaf et Spotty, ce qui faisait vibrer quoi. Il y avait Blockhead aussi qui avait répondu et le moment le plus sympa ça avait été avec Denis de Forest of Soul où je l'avais rencontré c'était un concert de At the Gate et puis en discutant il m'avait dit ouais normalement je réponds pas mais j'ai tellement apprécié tes questions connes que ça m'a donné envie de te répondre donc mais c'est assez marrant, c'est assez particulier et puis voilà, puis j'ai même eu l'occasion de revoir ce bon bonhomme des dizaines d'années après à l'Extreme Fest en compagnie de Christian Deliposer. Mm-hmm. Ils sont encore très potes et ça avait été ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, il se souvenait vraiment de cette interview de ce petit fanzine photocopié en noir et blanc. Ouais, des vrais moments, des vrais bons moments. Ouais. Ça a été surtout voilà des questions qui étaient sans réponse et je me suis dit ouais faut que je les pose. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc après Démo Maniaque, qu'est-ce qui se passe ? Après Démo Maniaque, les années passent, on est rattrapé par le quotidien, c'est les premiers boulots, c'est les premiers amours, c'est tout plein de choses qui fait que même si on écoute toujours tout plein de bonne musique, il y a des aléas professionnels, familiaux qui s'imposent quoi. Donc plus grand chose et puis il y a une dizaine d'années toujours pareil cette idée de me dire mais j'ai pas forcément les réponses que je veux quand je lis un magazine pro. Ouais. On reste très souvent sur des questions assez similaires d'un magazine à l'autre et on rentre pas forcément dans le fond des choses et je me suis dit pareil, si je veux des réponses à mes questions, je vais payer le culot d'envoyer les questions au groupe pour lequel j'aimerais avoir des réponses. Et le tout premier groupe, ça a été Grazed, donc avec notre ami Chris. Donc voilà, ce qui fait que suite à ça, je l'ai retrouvé au Forum Fest, qui crée un festival à Nodin, donc etc. Bon bref, c'est vraiment que de la rencontre, c'est vraiment que d'échanges, c'est vraiment que des moments cool comme ça. Mais vraiment, mon leitmotiv, c'est d'avoir des vraies réponses, quoi. Ok. Donc tu rencontres Chris, qui est lui aussi sacré lascar dans l'underground. D'ailleurs. S'il écoute, sache que t'es dans la ligne de mire, hein. Tu vas passer à la casserole aussi, hein. Il y a pas de raison. Donc, tu rencontres Christophe et puis l'idée de reprendre du service est là, bien sûr. J'avais déjà un peu relancé, mais ça a permis d'élargir un peu l'horizon sur le côté rédactionnel. Parce que comme il est aussi depuis des dizaines d'années chez Metalian, forcément il a un savoir-faire et surtout c'est un gros passionné, mais par-dessus tout on a créé une putain de grosse amitié quoi. C'est à aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis sans problème. C'est une vraie personnalité, c'est quelqu'un qu'on sait beaucoup mais qui fait passer la passion avant tout. C'est un bonhomme à rencontrer, c'est un bonhomme à découvrir, qui lui est comme moi. Il n'aime pas trop se montrer. Non, clair. On aime bien rester à ce côté-là. On est plutôt casanier, parce que je pense que de base, c'est plus aux artistes qu'il faut mettre les ponts, les passerelles. Sans les autres acteurs de l'underground, il se passe pas grand-chose, parce qu'un artiste, malheureusement, il a un peu la tendance à penser qu'à une seule... c'est comme si on pensait qu'en deux dimensions. On ne se dit pas que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des passionnés, il faut qu'il y ait des gens qui fassent bouger les choses sur des sujets ou dans des domaines où l'artiste n'a pas ou ne sait pas aller. Donc, toute cette osmose, c'est ça qui fait la beauté de notre scène underground et puis cette passion commune.
Ce que je veux dire par là, c'est que il faut des artistes, mais sans le public et sans les gens passionnés qui vont venir faire vivre le truc, bah, un artiste, ça reste un artiste. Et s'il n'a pas de public, il n'a pas d'utilité. Donc, voilà, l'un n'existe pas sans l'autre. C'est pas faux. Mais bon, c'est vraiment pas un exercice facile. Hein. Là, je t'avoue que je suis un peu... ouf, c'est l'impression d'avoir un entretien d'embauche, là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Non, et voilà, c'est, pour revenir à Chris, c'est un sacré personnage. Et puis les années sont passées et c'est des rencontres, même avec toi, Arash, ça a été une vraie belle rencontre qui aujourd'hui fait que on se voit très souvent, tu m'accompagnes sur des plans, des fois même foireux, mais t'es quand même là, bref, on s'éclate, c'est vraiment une vraie histoire d'amitié, c'est ça, quoi. C'est l'osmose, vraiment un échange, et puis on construit des choses, et c'est ça qui est beau. C'est clair. Mais c'est de la belle rencontre. À aujourd'hui, c'est vrai que l'asso, il y a quand même pas mal de personnes qui gravitent, qui apportent leur savoir-faire. Il y a des branches où on devient assez bon, d'autres branches où faut qu'on continue à développer. Mais par-dessous tout, ce qui nous anime tous, c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà, c'est sans aucune envie de. Il n'y a pas d'envie de devenir professionnel. De toute façon, on n'en a pas les armes. Et puis, c'est vraiment pas voulu, quoi. C'est surtout d'amitié avant tout, quoi. Ouais. De l'éclat total. Et donc, il y a une dizaine d'années, tu décides de créer une asso, Webzine. Alors, je vais te poser deux questions. Alors, pourquoi ce choix de nom? Et aussi, quelle était ton idée de base? Parce que on va pas se mentir, depuis toujours, on nous demande, en fait, c'est quoi Musicoa? Et je vois partout passer le nom, en tout cas sur l'underground ou même chez nous en local au niveau de notre bonne vieille ville de Crône. Mais souvent, on nous dit, on voit le nom, on vous voit assez actif, mais on sait pas trop ce que vous faites. Vous faites quoi au juste? Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Parce que c'est une question récurrente et c'est peut-être l'occasion de répondre une bonne fois pour toutes. Eh ben, Musicoa, le départ, c'était vraiment faire de l'interview, pure et dure. Et puis, très rapidement, parce que moi, il faut que ça bouge, j'aime le côté créatif, j'aime faire plein de choses, des fois il y a même pas de sens, mais c'est pas grave, on y va et on touche, c'est de toucher à tout en vrai au final. Donc c'est parti pour être une structure qui devait vraiment être un média web point barre. Et aujourd'hui, Musicoa, c'est quoi? C'est du média web, du média papier, c'est un label avec quand même un bon nombre de groupes signés. Il peut y avoir des fois un peu de coaching, il peut y avoir un petit peu de booking, il y a beaucoup de partenariats. On est vraiment multi-casquette, on va dans tous les sens, mais c'est un tous les sens contrôlé. Très bien. Pas tout le temps, mais... Il y a des cas où c'était franchement n'importe quoi, mais ça a son charme, et puis tu te dis, je sais que j'ai plus envie de faire ça. Ouais, c'est ça, mais grosso modo, de base, c'est vraiment un média et un label. Et après, il y a plein de petits projets divers et variés qui se greffent. C'est en fonction des envies aussi. Donc, on va dire trois grands axes. Tu as la partie média, webzine. Et print. Et print. Avec le flyerzine. Ouais. Ok, ça aussi, il va falloir que tu expliques. Dans quelques minutes, on va en parler. Il y a le côté label et il y a aussi un autre axe qui est très important, c'est... l'événementiel au sens large, mais surtout l'organisation de concerts et partenariat avec d'autres organisations. Ouais. Donc voilà, je vais pas te mâcher la purée, mais voilà un petit peu là où j'aimerais que tu développes un peu. Le média web, c'est des numéros qui sont exclusifs à l'artiste ou au groupe qu'on met en avant. Donc de base, ça va être donc un PDF qui va avoir sa couverture avec l'artiste ou le groupe.
ou ça peut être aussi l'événement, hein, parce qu'on peut faire des numéros pour des événements, des concerts précis qui peuvent être uniquement en web, avec donc forcément un édito, l'interview, voilà, donc ça reste simple, efficace, et puis le print, donc le flyerzine, on l'oriente vraiment sur le même schéma, mais en version papier, où on va aller réaliser un flyerzine en, donc c'est un petit magazine de quelques pages, qui va de 4 pages à 96 pages, ça dépend, qui va mettre en avant pareil un artiste qui se produit, donc distribué devant l'entrée de son concert. Ça va de 100 exemplaires à plusieurs milliers d'exemplaires. Et il y a aussi après les gros numéros un peu hors série qu'on peut faire, comme le tout premier vrai magazine qu'on a fait pour le Mency Metal Fest l'année dernière pour les 10 ans, où on avait une 60aine de pages avec une rédaction un peu plus costaud, voilà. Mais grosso modo, c'est vraiment quand, que ce soit pour le web ou pour le print, c'est quand c'est distribué par rapport à ce que les gens vont voir. Donc ils l'ont en poche, mais ils l'ont en poche parce qu'ils sont à un endroit où le magazine prend tout son sens. Donc grosso modo, je vais à un concert, on me distribue une interview de l'artiste que je vais voir. C'est ça. Ou l'organisateur, ou exact. En tout cas, ça tourne autour du concert que je vais voir, et donc je récupère ça gratuitement. Gratuitement, ouais, c'est gratuit. Et après, je rentre chez moi et je peux revivre un petit peu l'expérience du concert à travers les lignes que je vais lire. Et exactement. Donc je reste dans le giron, dans l'atmosphère du concert que je suis allé voir. Ouais. Le meilleur exemple, c'est le Samhain Fest, où, mm-hmm. où ça fait plusieurs années qu'on réalise, donc donc on est partenaire avec eux pour créer donc le petit flyerzine qui va de 12 à 24 pages, ça dépend après la matière qu'on arrive à récupérer, et donc c'est distribué donc automatiquement avec la billetterie, donc et dedans à aujourd'hui il y a aussi le Running Order qui s'intègre à ce flyerzine, donc le flyerzine devient le magazine du fest, quoi, mais en autre nom. Puisque c'est aux couleurs du fest, avec toutes les infos qu'il faut aussi dedans. Alors, on vend les encarts, donc on a plusieurs partenaires, hein, ça peut être Garmon-Bosia, ça peut être d'autres qui vont nous aider en achetant un encart, hein, pour aussi se faire un peu de visibilité sur leurs événements. Ah bien. Donc, et puis on ne produit que ce qu'on arrive à récolter en vente en quart. Hein. Si on a vendu, je dis une bêtise, pour 300 euros, on produira pour 300 euros. Si on arrive à faire un peu mieux, bah, on essaye soit de développer le nombre de pages, soit de monter le nombre d'exemplaires. Mais voilà, tout est lié à ce qu'on va vendre aussi. Voilà. Très bien. C'est l'idée. Puis bon, forcément, quand il nous reste quelques petits encarts, bah, à notre tour, on essaye d'aider les autres petits qui sont des partenaires ou des amis pour les mettre en avant. Donc c'est vraiment un petit saladier, quoi. Oui, c'est vraiment une éthique d'underground, quoi. Ouais, c'est pas du business pur et dur. Ah bah non, parce que aujourd'hui notre asso on perd plus d'argent que l'asso en gagne, hein, mais on laisse des traces, on laisse plein de bons moments. Quand je me souviendrai toujours, bon, c'est un ancien, on avait fait un numéro pour le Carnunos, le tout premier numéro qu'on avait fait pour le Carnunos. Et je me souviendrai toujours d'une petite qui avait 14-15 ans, qui avait l'air mordue en disant, putain, c'est la couve avec le groupe que j'adore. Bah voilà, je me demandais, bah, j'ai le support pour les faire signer tout à l'heure à la séance de dédicace. Et cette petite gamine était heureuse comme tout. Et bah voilà, ça c'est pour le coup quelque chose qui est marquant. Ça n'a pas de prix, ça. Bah non, ça n'a pas de prix. Et de voir les gens qui le mettent dans la poche et qui ne le mettent pas dans la poubelle, bah c'est parlant, ça fait plaisir aussi. Donc c'est assez rare qu'après la bataille, je regarde tout le temps parce que j'aime pas le gâchis, j'aime pas. Eh ben on en a très 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 peu par terre, mais vraiment très 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 peu, même quasi
pas du tout. Et je regarde même, au début, je regardais un peu dans les poubelles aussi. Et pareil, j'en trouvais très très peu. Donc les gens ont tendance à les garder. Ouais. Donc bah c'est cool, ça fait plaisir. Et en termes de, donc il y a eu des flyers in pour des événements, mais on a eu aussi des flyers in pour des sur des sujets bien particuliers. Bah je vais te laisser développer ça, mais. Alors les flyers in, donc c'est vrai que de base, comme je le disais tout à l'heure, ça va de 4 pages à 96 pages, et on a eu l'occasion de faire, tu dois sûrement parler du 96 pages pour Osmose. Bah forcément. Ouais. Donc on a avec Chris réalisé un 96 pages, où on a eu des coups de pouce. Hein, d'ailleurs il me semble que t'es dedans toi. Non, j'ai pas participé à celui-ci. Là t'as pas participé. Faudra que je vérifie. Mais bon, on était peu nombreux en tout cas, et c'est vrai que 96 pages à très peu, en allant chercher un petit peu des entrevues un peu spéciales, parce que un Hervé d'Osmose, quand il parle, hein. Et je sais que quand Chris m'a dit, j'ai passé plusieurs heures avec lui au téléphone, et j'en ai 17 000 mots, et encore, c'est pas encore fini. J'ai fait la vache, quoi, et c'est un numéro qui a été exceptionnel, parce que, alors, il a plein de boulettes, hein, il y a plein de coquilles dans ce magazine-là. Ah oui, après, voilà. Mais on s'en fout parce que. Comme t'as dit, on est des passionnés, on est pas. Ouais. Des... Mais c'est plus, surtout de se dire, putain, 96 pages à 3, quoi. Bon, bah... c'est du taf, bah c'est ouais, de la passion. Tout fait maison. Bon, bah, ouais, je sais où sont les cookies, hein. Mais je m'en fous. Parce qu'au final, ben, je sais que les gens, quand il y en a qui le cherchent. Donc, l'autre fois, je l'avais vu sur eBay à la vente à 15 balles. Et c'est là que je me suis dit, merde. Bon, voilà, donc... en étant voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, bah, de voir un petit peu ce que tu fais, ce que les copains font avec toi pour bah, que ça plaît, bah, ouais, c'est super touchant. Quoi. Ça, et est-ce que tu aimerais en refaire un autre? Ouais, là, on aimerait aller chercher des bonhommes comme... bah, en gros, j'aimerais faire un de ces quatre, un vrai magazine qui met en avant nos années 90-2000. J'aimerais vraiment prendre le temps de mettre en avant des vraies interviews qui sont plus des petits reportages écrits, quoi, avec bah Christian, Dédé Posser, bah tous ceux qui ont fait le monde de l'époque et qui sont à aujourd'hui devenus vraiment cultes, quoi. Donc de pourquoi pas retourner une fois de plus vers Hervé d'Osmose, d'aller chercher notre grand ami Dolly Records, pour Philippe, voilà, pour parce que lui aussi il souvent t'entends ou tu lis des interviews ou tu en entends pareil par des podcasts et tout ça, mais il y a tellement à dire, ça suffit pas et ouais, alors, ouais, ce serait plus un projet de livre, mais ça pareil, ça se trouve ça verra jamais le jour, hein. mais je pense que de vraiment prendre le temps avec tous ceux qui font vraiment ou qu'on fait, mais qui le font toujours parce que ils ont tellement laissé de matériel, de substance, sorti des groupes cultes, quoi. Je me souviendrai toujours quand j'ai mis Under the Moonspell que Christian Dédé Posser avait dit Moonspell, quoi. Merde, tout est parti de là, quoi. Donc il y a des choses à dire là-dessus. C'est un truc de dingue. Il y a une dizaine de personnes, moi, que j'aimerais bien vraiment. Ouais, faire un reportage écrit. Je sais pas si ça se fait, si ça se dit, mais je m'en fous, je le ferai. Oui, bah c'est un beau projet, et puis bon. Donc voilà, s'ils m'écoutent à tous ces gens-là, hein, faudra qu'on se. On va se rencarder un peu. Et on avait une autre personne, nous tous les deux, qu'on aimerait bien oui, prendre bien le temps d'aller voir, parce que je pense qu'il a des belles choses à laisser aussi à nous raconter. Mais ça, c'est on n'en dit pas plus, parce que faut qu'il y ait la surprise. Voilà. Yes. Voilà. Très bien. Donc le l'asso voit le jour, le média en fait est créé. Et comment est-ce que le média commence à déborder sur de l'organisation de concerts ou
tu vas nous parler de la première sortie en tant que label, comment ça s'est fait et tout. Mais déjà, revenir sur la partie organisation de concert, comment ça s'est fait. Bah, en fin de compte, tout s'est fait de la même, en tout cas dans ma tête, comme pour l'interview de départ où je me demandais quelle serait la réponse à telle question et que j'avais pas forcément cette question dans les magazines et tout ça. Bah, pour la scène, c'est pareil. C'est pourquoi tel ou tel groupe on ne voit pas. Pourquoi et c'est vrai que là je me suis dit mais putain c'est vrai que j'ai toujours été proche de tout ce qui est local, tout ce qui est on a un vivier de dingue, on a une masse en France qui est exceptionnelle et je me suis dit merde mais avec nos petits moyens s'il y a des groupes que j'ai envie de voir que je peux pas voir parce que ils sont pas programmés essayons de le faire nous-mêmes quoi. Ça a été vraiment le départ aussi des premières orgas mais j'allais dire après on est très vite on est pris dans une spirale de dingue en vrai ça devient puis après on fait des bonnes dates des grosses dates puis on se dit ouais c'est bien mais j'aime bien plus on va vers le vivier vers le vrai terreau local plus je kiffe quoi plus c'est, il est là la musique elle est là en vrai. Disons que t'as une sincérité qui est encore intacte. T'es moins dans l'aspect business. Pas du tout, même. Parce que, y a pas photo. Quand tu vas faire jouer un groupe qui a une grosse carrière, qui fait ça depuis longtemps, forcément, même si c'est pas officiellement leur taf, mais ils le font depuis suffisamment longtemps que c'est encadré, c'est un job pour eux. Même s'il y a une expression, même s'il y a il y a toujours de la sincérité, mais c'est quand même plus calculé, c'est plus cadré, t'as les mecs qui sont ils savent ce qu'ils veulent et ils sont un peu exigeants sur pas mal de choses, des fois ils ont des exigences pour lesquelles on n'a pas assez de moyens pour pouvoir y subvenir, donc c'est sûr que quand tu travailles plus dans l'underground t'as plus la niaque des gars qui veulent jouer, des gars et des nanas aussi hein, et donc cette niaque comme je viens de dire elle compense beaucoup de choses et elle permet aussi de faire avancer des projets beaucoup plus facilement. Ouais, l'underground, c'est vrai. C'est non, pas du tout business de mon côté. C'est vraiment le fait plaisir. Et même quand à aujourd'hui on fait des dates un peu plus importantes, moi j'y vois toujours l'intérêt de pouvoir y mettre. En ouverture des groupes qu'on soutient, c'est limite. On fait des fois de la grosse prog, mais pour aller chercher notre vivier local, quoi. Ouais. Pour aller mettre en avant le vivier local. Et ouais, c'est très très important. C'est très important. D'accord. Le local, merde. Oui, pas la peine d'aller chercher des groupes à des kilomètres. Bon, paradoxe, c'est ça. C'est que la première signature du label, ça a pas du tout été un groupe français. Alors on va y revenir. Mais bon. Comment ça se fait que Musicoa a décidé de sortir un groupe étranger dans un style particulier, dans un contexte particulier? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 8 ans avec Chris, on discutait et puis il avait eu l'occasion de pouvoir échanger avec un groupe qui s'appelle donc Carpathian Relic et qui anciennement orthodoxe. Voilà, le groupe orthodoxe. Donc pour ceux qui veulent faire quelques petites recherches, ils découvriront un line-up assez sympa avec un bassiste assez connu. Mais ça, j'en dis pas plus. Celui qui écoute, il ira chercher l'info. Et puis là, c'est vrai que j'ai écouté le son et je me dis putain, merde. Pour du death technique, c'est pas mal. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, il y a ce côté mélodique qui est quand même vachement, vachement présent. Et puis, je me suis dit merde. Alors, c'est vrai que ça allait un peu à l'encontre de mon côté local, mon côté terreau dans l'Hexagone, quoi. Mais je sais pas. Et il y a eu une belle opportunité. Il y a eu avec Chris une vraie envie de tous les deux de se dire allez, go, on fonce. De toute façon, faut bien faire un premier essai. Oui.
voilà, complètement aux antipodes de ce que je voulais au début. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi de ce qu'on est. Puis on y a été. On y a été, donc on a sorti le premier album sous le nom donc Carthagène Relique. Puis après on a repressé leur tout premier album qui avait été à l'époque sorti sous le nom Orthodoxe, qui est sorti sous le nom Orthodoxe. Et là, le début septembre sort leur troisième album, qui est une vraie réussite, qui moi perso m'a plus que scotché. Pour moi aujourd'hui, alors, ok, c'est nous qui le produisons, etc. Mais sincèrement, on a un album exceptionnel, d'une très très grande qualité, avec énormément de passerelles entre de nombreux styles. Oui. Il y a une fusion du genre, mais de dingue. Et c'est un groupe qui a énormément de niaque, parce que bah, l'histoire, elle est très simple. Hein, c'est que ce tout premier groupe signé est composé à un line-up qui est pour moitié polonais et pour moitié ukrainien. Voilà. Donc bah forcément aujourd'hui quand les problèmes sont arrivés entre l'Ukraine et la Russie, ça a été même pour nous hein, qui sommes loin de tout ça, ça nous a un petit peu ça nous a beaucoup peinés hein, parce que bien sûr, on est affectés, des gens qu'on connaît, avec qui on échange, de les voir en souffrance, de voir qu'une partie de leur famille est sur le front et tout ça, c'est pas chose facile. Leur album était prêt. Ils ont la niaque de vouloir le défendre malgré tout ce qui se passe. Donc on le sort et on est super fiers de le sortir. Et c'est aucunement lié au fait que voilà, il y a le côté guerre et tout ça, mais c'est un plus parce que il mérite vraiment de laisser des traces, ou c'est une musique qui mérite d'être écoutée. C'est une musique qui vaut vraiment le détour. Mais oui, cet album clairement est riche, mais riche aussi en symbolique. En symbolique, mais riche aussi en. C'est un album qui est exceptionnel, mais qui est dur, ouais. Très très dur, très très dur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais pour ceux qui pourront venir, on a fait en sorte de pouvoir aider à programmer Carpathian Relict. Exact. Sur la scène du Mency. Donc au programme du Mency, vous aurez l'occasion de voir la première prestation du groupe en dehors de la Pologne et de l'Ukraine. Exactement. Donc, exactement. Et première fois en France, hein, pour ouais. le coup. Mm-hmm. Donc c'est l'occasion de venir découvrir ça en live. Voilà, donc. C'est sincèrement un groupe de fous. Pour moi, aujourd'hui, il fait partie de cet album qui n'est pas encore sorti. J'ai eu l'occasion de pouvoir écouter, et toi aussi, mon ami Rach, tu l'as écouté. Oui. Toi, en tant que batteur, je pense que tu pourras en parler. Le premier que j'ai écouté, le premier qui est sorti, d'ailleurs, je n'étais pas encore dans l'association, hein, Musicoï. J'avais pu l'écouter à sa sortie et j'ai été surpris déjà par la qualité de l'interprétation. Et en tant que batteur, j'ai pris une baffe monumentale. Pour ceux qui, je vais parler vraiment aux batteurs et fans de métal technique, mais on est vraiment sur un niveau de technicité entre Cynic, les premiers albums de Death, Atheist, vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque le techno death, et c'est une interprétation moderne, et le côté polonais ressort également parce que bon, forcément. C'est enregistré, mixé au Hertz Studio, donc on reconnaît cette touche polonaise. Alors c'est simple, moi quand j'écoute surtout le premier qu'on a sorti, ouais. Pour moi c'est vraiment un mélange de la scène tech death floridienne, donc Cynic, Atheist, Death, et on mélange ça avec un death un peu plus vraiment comme les débuts de Decapitated, quoi, plus assez bourrin, mais quand même technique, et le mariage est sur le papier, ça peut être un peu compliqué, mais
Mais en vrai, quand je dis qu'il y a des influences à la cynique et tout, on a droit à tous ces arpèges planants issus du jazz ou de la musique exactement. Progressive. On a aussi exactement, surtout le dernier album. Là, on est sur une, on est sur un mix mais de dingue. Putain, faut l'acheter ce putain d'album. Achetez-le, bordel de merde. Alors, petite information, le podcast n'est pas subventionné par Musique Oreille, mais achète-le quand même. Achète-le, putain. Merde. Donc, première sortie, c'est Carpathian Relic, mais après, le but, c'était de sortir plus de choses, ou c'était... Après, on est, c'est pareil, c'est comme quand tu fais ta première date, ou ton premier tatouage, ou ta première interview, eh ben, tu veux manger, tu veux qu'on, voilà, et puis après, on s'est quand même, recentré sur le côté français parce que c'était vraiment le plus important et on a eu des très beaux groupes qui nous ont rejoints. On a Moonskin, bon tu peux sourire mais bon voilà, qui a fait son premier album chez nous et qui est un album qui est exceptionnel, d'une grande qualité, qui est très pur dans son genre et qui est super singulier, donc et qui a quand même eu un retour média quand même très 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 important. Donc on a vraiment des très grosses pépites et on a aussi des ce que j'appelle les grosses pépites plus qui pour moi seront dans une vingtaine d'années seront des albums incontournables des classiques de nos années actuelles. Oui. Et Moonskin fait partie de ce groupe qui a marqué l'histoire. Ah ben merci. Et en tout cas on en reparlera dans 15 ans, mais ce sera ouais. un album qui se vendra peut-être comme Fatima sur ses premières séries à 150 balles sur Zediscount ou eBay. Voilà. Donc non, mais voilà, on a eu toutes les signatures, j'en suis fier, vraiment toutes, sans exception. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas. Mais par-dessus tout, ce qui est important pour nous, c'est de laisser une trace et de participer à laisser une trace. Moi, il n'y a pas plus respectueux pour un artiste que ça, quoi. C'est quand on produit pas pour vendre, on produit pour se faire plaisir. On est prêt à perdre la thune, c'est pas le souci. Par contre, quand on kiffe et que l'album sort, mais quelle fierté quand t'as un autre rebelle qui te dit putain là ce que t'as sorti c'est vraiment de la bombasse. J'en reviens à Carpathian Relic parce que il l'avait reçu à l'époque, il en avait parlé et ça a été pour lui une vraie révélation. Donc quand t'as des grands tontons du métal qui te font des retours comme ça, surtout que nous de base on peut rien apporter. De plus, quoi, on est juste des passionnés. Il y a pas d'enjeu avec nous, quoi. Mais quand tu vois des grands noms prendre réellement le temps de tendre l'oreille, putain, c'est là où tu te dis, bah, notre 30 dernières rondes, il est pas mort. C'est vivant. C'est exceptionnel. Quand on voit un groupe comme Fatima qui commence à réellement bien s'envoler, où on en est donc sur le quatrième album qui sortira donc sur 2024. Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais Antoine l'a dit dans l'épisode précédent. Ah ben ça va alors. Bon, voilà. Bon, et quand je vois un petit peu la richesse des échanges qu'on a avec eux, d'amitié qui s'est créée, et où il y a vraiment une ligne directrice qui est vraiment la même pour le groupe comme pour nous, où c'est avant tout de pousser cette énergie musicale, de pousser cette artistique, quoi, dans son global, et de participer à ça. Mais quel bonheur, moi, quand je les vois jouer sur scène, mais je kiffe quand je les vois être réclamés sur telle ou telle scène. Mais quel bonheur. Et juste de se dire, bah, sans faire grand chose, parce qu'on fait pas grand chose, bah, on se rend compte qu'on fait quand même un peu. Mais quelle fierté. C'est exceptionnel. Je vis des moments, mais magiques. Et on aide, l'asso aide à avec ses petits moyens, avec ses petites possibilités, aide un petit peu à laisser quelque chose. Et putain, c'est cool, quoi. C'est la magie. C'est la magie, ouais. Oui, Fatima, c'est... Bah,
On va le dire, hein, c'est pour le moment c'est la meilleure réussite du label, plus ou moins. En termes de vente. En termes de vente et. Oui, puis il s'est réellement créé entre les membres du groupe et les membres de l'asso une vraie. Il y a vraiment une vraie petite famille musicale qui s'est créée et où l'intérêt est commun et l'intérêt c'est de porter cette musique quoi et le tout est poussé par le plaisir, donc c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est moi quand je les vois le fois monter sur scène avec notre zouzou qui avait le bras qui sortait d'opération et arrivé en quelques jours à créer un set acoustique, mais les mecs bravo quoi, et de voir les gens à l'empreinte lors de ce Grand Paris Lodge kiffer à mort l'histoire, merde, moi je l'ai vu tout ça et j'ai vu et j'ai un peu participé sur le côté off de comment ça s'est dans les coulisses en fait, dans les coulisses quoi, mais je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Je le souhaite à tout le monde, mais avec comme leitmotiv la passion et l'intérêt général et pas personnel. Ça, jamais le personnel doit s'injecter dans le général quoi. Toi, c'est ouais, faut pas polluer les ambiances, les énergies. C'est exactement. Bon, bah déjà. Vous entendez, hein, là c'est le patron qui parle, hein. il vous donne des clés pour avancer dans la vie. Pour moi c'est des conseils de vie, hein. C'est pas juste par rapport à la musique ou aux associations, hein. C'est essayer de penser au global, penser à soi c'est important, mais l'égoïsme non, faut absolument pas être égoïste, c'est faut faire d'abord passer le projet complet pour le plus grand nombre, et ça c'est primordial. Et quand tu suis un artiste et que tu le signes ou que tu l'aides dans sa recherche de date ou autre, et là on parle avec l'âme associative quoi, donc on n'est pas dans un milieu professionnel, il te faut être avec des convictions sincères et surtout passionné quoi. Tu fais pas pour se voir, tu fais pour voir les gens que t'aides, eux recevoir ce qu'ils méritent par rapport à leur art, à leur créativité, à leur travail. Tu fais pour eux et c'est comme ça que tu t'enrichis. Voilà, il faut pas regarder qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi ou ce que ça peut apporter à l'asso. Non, une asso, elle est faite, c'est du social, hein. Elle est faite pour aider. Elle est faite pour se faire plaisir, mais elle est faite pour aider. Une asso n'est pas une entreprise, elle n'est pas là pour avoir une rentabilité, quoi. Bah, c'est ça qui est important. C'est faut aider du mieux qu'on peut, avec sincérité. Il y a pas mieux. Du coup, demain, ce que je leur souhaite, hein, si jamais Fatima a un gros chèque pour aller sur un label qui a pignon sur rue, qui a plus de choses à leur proposer, Je serais heureux. Je serais très heureux et ouais, j'en aurais les larmes de heureux, de content parce que bah ouais, c'est pour l'instant c'est eux qui veulent pas, mais je pense qu'ils sont déjà ils pourraient déjà être en mesure d'accepter des offres de label pro. On voit arriver là les grands malins. Nos potes, hein, on patouche. Voilà. Mais pour l'instant, eux comme nous, on va encore réaliser un bout de chemin ensemble, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'humain, on s'entend bien. Il y a une vraie envie de travailler ensemble, mais c'est un travail qui est vraiment qui mise tout sur l'art, la qualité de leur travail. Voilà, puis l'amitié aussi maintenant. Bah, je vais avoir une question parce que je la vois arriver souvent à la page. Il y a des groupes qui nous suivent et qui aimeraient rejoindre. Alors non pas qu'on fasse la Formule 1, mais déjà d'une part, bah, ça veut dire que
qu'on fait plaît. Ouais. Et en fait, j'aimerais qu'on donne un message au groupe qui nous contacte. Et si on vous prend pas ou si on ne vous signe pas ou c'est pas, y a rien de personnel. Hein. C'est juste que en ce qui nous concerne, on est plutôt dans. Il faut que ça plaise à l'enfant. Et puis c'est le vent qui nous porte. C'est au détour. Fatima, c'était au détour d'une date au club. Où ils sont venus en renfort parce que il nous fallait un groupe d'ouverture. Il y a eu une très belle opportunité. On ne savait absolument pas où on allait parce qu'on n'avait absolument pas pensé à l'ouverture des portes, leur proposer quoi que ce soit. C'était déjà, on était contents qu'ils soient là, mais voilà, c'était un concert quoi. Et putain, mais quel concert quel concert. Et on s'est tous regardés. Voilà, c'est au détour d'eux. Ouais. C'est pas, voilà, c'est. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un groupe qui veut nous envoyer leur démo, leur album pour le sortir? Est-ce qu'ils doivent nous l'envoyer? Est-ce qu'ils doivent nous contacter? Ou est-ce que il faut pas qu'ils tentent le coup avec nous et qu'ils se disent que bah, si jamais on doit travailler ensemble, c'est nous qui allons les contacter? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ce sera plus au détour d'eux. Voilà. J'aime bien cette phrase. On en reçoit beaucoup, hein, des mails tous les jours. J'ai même pas le temps de répondre à tout le monde parce que bon, bah, je suis comme tout le monde. J'ai un taf aussi à côté, donc et une vie de famille. Donc bon, c'est, on répond pas par par snobisme, hein, pas du tout. C'est que c'est très compliqué de tenir tout un rythme de réponse. Hein. Donc à ceux qu'on n'a pas pu répondre là tout de suite, désolé, mais c'est pas parce que votre musique n'est pas bonne ou quoi que ce soit. C'est que on est comme tout le monde. On a une vie de famille, un boulot, et puis les heures qui nous restent, on les met dans l'assaut, mais on a nos priorités aussi. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas pour vexer, mais c'est, on a d'abord des groupes qui sont déjà signés, qu'on essaie de porter, on est là pour essayer de les accompagner du mieux qu'on peut. Donc, bah, tout ça, ça prend du temps. Donc, voilà. Mais non, nous en vrai, c'est plus, ça peut être à deux ou trois de se barrer sur un concert sans forcément connaître la première partie et puis d'écouter la première partie et de se dire putain, voilà, là, regarde quand là, on est devant un. Ah ben voilà, ça, c'est un truc spécial. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est. Faut qu'on, voilà. C'est plus sur le côté. Ouais, c'est au détour des surprises, d'un fest, d'un concert, d'une première partie, d'une rencontre. Qui, voilà, c'est plus comme ça. Au niveau de Musicoai, on est assez au courant de ce qui se passe au niveau de notre round. Ouais. Après, ça n'empêche pas que si on reçoit un mail de votre part et qu'on écoute et que c'est coup de cœur direct, là forcément on va en discuter pour parler d'une éventuelle signature. Oui, ça, c'est, bien sûr, on écoute. Mais après, en gros, vaut mieux me croiser dans la rue avec le Scud. C'est pour moi plus parlant, mais c'est vrai. C'est ça, ah, ça j'adore. Ça j'adore quand on est sur un fest ou que t'en as un qui vient te voir et qui te dit bon, je suis culotté mais tiens, ça c'est mon CD. Ah, moi ça me parle vraiment quoi. C'est parce que là je me dis purée le bonhomme déjà ma gueule personne tout le monde la connaît. On vient pas te demander l'heure. Bah voilà et puis pas beaucoup de gens me connaissent réellement hein. Donc c'est vrai que c'est assez flatteur. Quand une personne que tu ne connais pas te dit, je sais qui tu es, tiens mon CD. Là, ouais, là, je vais faire l'effort vraiment de l'écouter. C'est, et parce que il y a tout un univers qui s'est déjà créé. Ça, c'est, je suis à l'ancienne, hein, vraiment. Il y a des groupes qui veulent ou pas rester, donc ça oui. Aussi, c'est. Puis des fois, c'est nous aussi, qui ne voulons pas. Hein, ça, c'est des relations humaines. Hein. Ouais. Mais de toute façon, c'est une histoire, c'est une aventure humaine, donc. C'est les mêmes règles pour n'importe quelle aventure humaine, c'est-à-dire c'est des relations, c'est des sentiments, des émotions, des échanges, et il y a des moments où on n'est pas sur la même. Ouais, route. Ça arrive, hein. Ça arrive, c'est comme partout, hein. C'est voilà, bon, la plupart du temps, on est sur la même longueur d'onde. Puis, mais par contre, oui, moi, j'ai pas,
ça me dérange pas de dire un groupe qui se comporte mal, il peut vendre 2000 albums. Si y a une décision à prendre, elle sera prise. Après, à côté de ça, il peut y avoir un groupe qui fait un gros flop sur sa sortie. Bah, c'est pas pour autant qu'on va lui dire au revoir, quoi. Donc c'est vraiment le côté humain. Quand l'artiste ou le groupe fait tout ce qu'il faut au niveau de sa musique pour être au plus près de ce qu'il souhaite, c'est pas parce que le premier album a été pour certains dit un flop que ça l'est réellement déjà. Et puis c'est pas parce que il y a eu très peu d'albums vendus que ce groupe ne mérite pas de rester. C'est important. C'est l'humain. D'accord. L'humain. Les gens sincères, les vraies bonnes personnes, quoi. Donc en gros, escrocs, j'en veux pas. Les arrivistes, j'en veux pas ou j'en veux plus. Peut-être cash, hein, mais oui, on croise tous hein, des gens qui savent faire un sourire. On a tous des exemples, hein. Voilà, mais voilà. En gros, ceux qui sont aujourd'hui encore sur le label, c'est des bonnes personnes, c'est des bons groupes. C'est pas forcément parce qu'ils vendent ou pas, c'est parce que leur musique, il y a une alchimie, leur musique nous plaît. En tout cas, nous, elle nous parle. Et puis, s'il y a une sortie d'album et que les gens ne l'achètent pas, tant pis pour leur gueule, ils loupent quelque chose de très bien. Ben moi, ça m'empêchera pas d'acheter mon exemplaire à moi et de dire, ben c'est nous. Voilà. On en est à combien de références au niveau du label? En référence, on doit être à peu près aux alentours de 30. D'accord. Voilà. 30 sorties. Environ, parce que après il y a les albums en tant que tels, il y a les samplers aussi. On en a quand même fait 7. C'est pas rien. Il y a des lives aussi qui sont sortis. Il y a eu des coprods aussi, etc. Donc ouais, une bonne grosse trentaine. À une progéniture maintenant avec Autumn Spleen. Ah oui, oui. Un label plutôt dédié à la musique d'art. Ouais, c'est tout à fait vrai. Où on a d'ailleurs un groupe qui est exceptionnel dessus, qui est Curtain, qu'on accompagne, ouais. Peut-être en parler un petit peu de cette collaboration avec Curtain et comment ça a évolué. Ah, cette histoire, ah oui. Alors quand je parlais d'humain, je parlais d'époque, je parlais de moments, ben c'est un groupe qui me parle depuis plus de 20 ans maintenant. C'est un groupe que j'ai pu écouter à l'époque grâce à ma femme. Quand on s'est rencontrés, elle écoutait l'un de leurs albums sur sa platine, et ce groupe-là avait réalisé cette sortie en autoprod dans toutes les Fnac parisiennes, etc. Et puis un jour, on en reparlait autour d'une bière avec mon épouse, et puis on s'est dit bah tiens, qu'est-ce que ce groupe devient ? Parce que pour nous, c'était un groupe de début de couple, hein, donc il y a une vingtaine d'années, c'est un de nos CD de chevet. Je me dis tiens, et rien du tout. Rien, pas de page Facebook, rien, mais quand je te dis que dalle, je fais merde. C'est le désert. Le désert, à part un petit truc, sur un espèce de micro-truc, là, un petit peu sur Discogs, mais vraiment le truc, mais qui était proche du néant, quoi. Je sais pas possible, ils ont quand même sorti 3 Scuds, il y a eu des séries ultra limitées en cassette, bon, moi, j'ai eu plein, ils ont eu quand même 2-3 belles années à l'époque, sur la scène parisienne, c'est marquant. C'est marquant. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ah, puis culot, je dis, hop, j'envoie un mail à Emmanuel d'Obscure Mag, oui. Donc, qui est également chez Rockard, et je lui dis, voilà, tu dois forcément avoir une information sur ce groupe-là, Curtain. Il me dit, oui. Il me dit, j'ai un mail, mais est-ce qu'il est encore opérationnel ou pas? On ne sait pas. Il a envoyé le mail, et il s'avérait que quelqu'un a répondu en face. Donc, j'ai eu Emmanuel, donc le chanteur, guitariste, frontman de ce groupe-là au téléphone. On a parlé des heures. Ouais. Et il me dit, mais moi, Curtain, c'est mort, ça fait 20 ans que c'est en dormance. Et je dis, ben non, faut pas. Faut pas que ce soit en dormance. Déjà, faut represser votre dernier album. Et puis, on y rajoute plein de choses. Et puis là, il me dit, bah oui, ok. Et puis, donc, il reprend contact avec François, le bassiste, etc. Donc, quelque chose qui s'est endormi pendant 20 ans, se réactive, des gens qui ne sont pas vus depuis des décennies se revoient, ça, et à aujourd'hui,
ça a une bonne quinzaine de dates faites. Donc attends, excuse-moi, je te coupe, mais ouais. Grosso modo, le groupe n'existait plus, tu proposes de represser l'album, oui. Et là, le groupe se reforme. Carrément. Voilà. Carrément, et aujourd'hui, il y a un album qui est dans les starting blocks, ouais. Qui sortira en vinyle, pour coller avec Autumn Spleen et tout. Puis merde, allons-y, quoi. Et ce groupe-là, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de tout plein de gens, en fin de compte. Et aujourd'hui, ils ont refait du live, ils ont encore fait le 2 juillet dernier une date avec l'organisateur qui gère l'affiche Bateau Fantôme, là. C'était un international. Ils ont fait la première partie de Christian Death, etc. Donc, ah ouais. Ouais, ils sont de retour. Mais plus que de retour, mon pote, c'est un truc de dingue. C'est exceptionnel, c'est fabuleux. Très bien. Bah du coup, ça m'amène à une question. Quels sont tes projets futurs du coup avec Musico-Hai? Sur quoi tu travailles? Quels sont tes projets à long terme? Qu'est-ce que tu vois encore comme chose à produire, comme projet? Je suis quelqu'un qui, j'ai un cerveau qui fonctionne à 3000%, donc j'ai des idées qui fusent toujours toutes les 3 secondes. Je confirme. Confirmer. Donc beaucoup sont de bonnes idées et beaucoup sont des. des idées, on est obligé de te canaliser. Faut me canaliser, faut même des fois me calmer. Hein, des fois, j'arracherais bien le t-shirt et j'aurais bien le Tarzan, mais bon, c'est comme ça. En fin de compte, je regarde pas forcément beaucoup l'avenir. Je regarde surtout le présent. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il y a de la belle surprise, quoi. Là, on a en plus plusieurs membres de l'asso qui commencent à bien grandir. Je pense à nos petits jeunes qui commencent à mettre en avant des projets. J'en parlerai pas là parce que si je le dis, ça. Oui, ça, et puis c'est à eux de le c'est por- à eux de les porter. De le faire, mais ouais, moi je vois quelques nos petits jeunes qui commencent à bah ouais, l'avenir serait plutôt ça, de les voir. C'est un de ces quatre. Bon, on est déjà pas tout jeune, on sera vieux. Et puis, mais ouais, j'espère sincèrement qu'il y aura une vraie relève dans les jeunes de l'asso. Ouais, et ouais. Pour moi, ce serait le plus important. Mais bon, ça. Et c'est la façon de pérenniser l'asso, quoi. Ouais, l'asso. Et puis, notre monde à nous, tu vois, ce tout, tu vois. Ouais. S'asseoir sur un banc dans 15-20 ans et avec nos cheveux blancs et de se dire regarde t'as de Vincent regarde merde ils viennent de prendre le Bataclan putain les mecs ils font une scène là-bas un truc de là. Bah ouais j'espère le voir un jour et pourquoi pas moi je me souviens d'une question que j'avais posée et pourquoi pas à un groupe hein, à un monsieur précis hein, qui est devant moi et je lui avais dit mais dit-on après seulement un album c'est culotté de sortir un live. Et il m'avait répondu, pourquoi pas. Ah oui, c'est sûr que si on s'attarde à ce que pensent les autres et bah ouais. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, je veux dire, chacun est assez mûr pour le jauger avec un minimum de jugeote. Ouais. Et se dire, pourquoi pas. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un live si j'ai de quoi le faire et que j'estime que l'enregistrement est de qualité et qu'il reflète bien une certaine image, une certaine ambiance, pourquoi est-ce que je ne le sortirais pas? C'est tout à fait ça. Donc voilà, bon après, c'est vrai que c'était pas évident de sortir un live juste après un album. D'ailleurs, on l'a fait en mode... on l'a sorti en digital d'abord, mais par la suite, musique. Et on se l'est mis en CD Digipack, ouais. Et voilà. Et il est ressorti effectivement en petit tirage. Petit tirage. Collector, hein, ouais. pour les chanceux qui l'ont récupéré. Donc on a laissé une trace. Voilà, on a laissé une trace physique. Ouais. Et ça, c'est bon. Eh ben, Jérôme, je vais te laisser avec le dernier mot. Venez nous voir. Minty Metal Fest, hein, on sera fortement présent là-bas. La quasi-totalité de l'équipe y sera.
On est donc partenaire avec ce magnifique festival et donc on y retrouvera quelques-unes de nos pépites à l'affiche, dont Car Praxian Relic. Vous pourrez nous retrouver au stand merch aussi, vous pouvez venir échanger avec nous. Pour ceux qui veulent me déposer un CD, il faudra me trouver parce que je vais être un peu partout. Voilà, mais non, venez à ce fest qui est de toute beauté, où les derniers noms sont annoncés là dans les prochains jours, et c'est du lourd. Ça va être du lourd, moi je le sais, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai pas le droit de le faire avant l'orga, mais ça va être de la bombasse, quoi. Donc puis par-dessous tout, voilà, écoutez la musique, faites-la vivre, composez, soyez toujours dans la surprise, et puis faites-vous plaisir avant tout, quoi. Ben écoute Jérôme, je te remercie pour cet échange. À mon avis, on va réitérer plus tard. Oh la vache. Un truc, on va laisser mûrir le sujet, puis on se refera ça tranquillou, à la bonne franquette comme d'habitude. Ah ben là, il n'y a pas plus à la bonne franquette. Hein. Je commence un sujet, je t'en finis par un autre, je reviens dessus après. Ouais, mais ça c'est... C'est moi, voilà. C'est toi. Ça. Bah écoute, merci encore, voilà. Et puis je te dis à bientôt, restez bien connectés sur le podcast, on va tout relayer par rapport à Musicoai et les prochaines dates, les prochains projets, vous pourrez toujours les trouver donc sur le podcast, sur les réseaux sociaux, voilà, donc soutenez l'Underground. Et puis il va y avoir un gros concours hein, sur Tipeee and Friends, voilà, il va y avoir... feuilletez les prochains posts de l'ami là et vous allez voir. Donc il y aura un très très gros colis qui sera mis en jeu avec plein de choses dedans. Vous avez entendu ? Voilà, il vient de le pendre. Très très gros colis. Pas colis de 20 sur 20, très très gros colis. Blindé à mort de plein de choses. Ok, bon ben voilà, ça vient de tomber, hein. C'est du direct, bon vous le saurez dans quelques jours, hein, parce que moi je vais avoir voilà, besoin maintenant, ça doit te déberder. Voilà, je vais devoir monter l'épisode et puis surtout discuter avec Jérôme de la faisabilité de pouvoir faire un concours et tout et le gérer derrière, mais vous inquiétez pas, moi je remercie Jérôme donc pour cet échange et surtout pour ce petit cadeau qu'il va vous faire. Gros cadeau, voilà, il insiste, hein. Voilà. Très bien. Ben, je vous dis à la prochaine. Salut. Bisous.